connerie là, faut qu'on commence le thé à la menthe, tout ça. C'est un flic infiltré. Non, il a dit je suis keuf encore. C'est un bâtard, mais peut-être qu'il t'a mis tôt, non? Karim, viens, viens. Ah, ils ont attrapé des gens. What the fuck? Et toi? Ah, c'est bon, ça détend là? Allez, nager dans l'eau. Vous verrez, elle est bonne l'eau. Vas-y, va dans l'eau. C'est qui le gars avec toi? C'est Roméo, c'est le gars qu'on avait vu à production. Ok, le point est plus là. Ouais, il est parti. Ouais, le point il est plus là. Vas-y, montez. Attends, il y a une voiture de police là. What the fuck? Qu'est-ce que j'ai entendu? Les motos ils sont volés. Non, elles sont pas volées, frère. Ah bah pourtant. Quoi? Attends, les motos là ils sont volées? D'accord. Pourquoi il y a un grand camion comme ça? Parce qu'on est nombreux. C'est Uber Van. Tu connais pas Uber Van? Vous votez dans le fourgon s'il vous plaît. Yallah, bismillah. Trois individus. Carlito. Surdouf, je crois que c'est Carlito. Surdouf. Surdouf. Qu'est-ce que vous faites, Surdouf? Voilà, je suis en n'importe quel. Surdouf. Surdouf, Mkallah. Négatif. Mkallah. Kyle, vous votez avec Carlito, s'il vous plaît. Vous les un petit doigt. Voilà. Pardon, il faut leur lire leur doigt. Apparemment, je peux pas monter en arrière, donc je suis obligé de monter ici. Alors, on a 15 minutes pour le faire. Mais de toute façon, Nicolas, il était de la maison, toi. Vous les emmenez au poste de Sandy Shore. Ah bah oui. Vous allez derrière. Je peux pas. Ok. Non, mais je peux pas monter en arrière. Je vous promets, regardez. Attendez, regardez. Suivez-moi. Et Nicolas, il fait partie de la maison normalement. Voilà. Ouais, il peut monter devant, c'est pas grave. Non, il peut monter derrière. Bah, Vladivostok, vous montez avec nous. Capitaine, je peux monter avec vous? Non, négatif. Que négatif. On se retrouve au commissariat de Sandy Shore. Maintenant, il y a Unicorn qui va ouvrir là. Ok, on fait ça. Wesh. Surdouf, vous venez? Surdouf, mec, comme Kallah Khassabi. On y va. Surdouf. Surdouf, il est énervé, hein. Eli, faut que tu lui parles, hein. Moi, je lui parlerai, oui, je vais lui parler après, t'es bien, mais pas devant le capitaine. Ça voulait dire quoi, Charles, qui t'a dit, le petit moustique là derrière? Billy, c'est Billy ou c'est Carlito, frère, toi? C'est Carlito, je sais pas comment il s'appelle, lui. Ah, c'est pas Billy? Ben non, c'est Carlito. Mais frère, vous ressemblez tous dans la police aussi. Carlito, il ressemble pas aux autres. Dommage bonnet, tu sais. Je ressemble un peu à Billy. Bah oui. Mais t'es pas, ils arrivent même pas à ouvrir la porte. Oh, mais là, mais c'est pas possible. Voilà, ça c'est des flics, ça. Kylie, t'as un garaf d'eau ou pas? What? Oui, je te donne. Vas-y, donne ça. Je te lâche ou dèche. Ou de soumol, si t'as pas des bouteilles. Carlito, comment t'as intégré la police, toi, frère? T'es sérieux? Bah, j'ai fait le carrelage, le plomberie, après j'ai fait le BTP. Et après, ils m'ont dit, vas-y, viens. Et après, je suis venu. Bah, ouais, c'est logique. Donc là, ouais, bah, le même bordel, là t'es dans la LHPD quoi. Oui c'est ça. Et toi t'es pas dans le bon côté des trucs là, j'ai l'impression. Bah pour l'instant c'est la présomption d'innocence, hein. On a rien. Bah oui, nous on a rien. Mais moi je sais pas, c'est le pour capitaine qui m'a dit écoute, ramener. Bah capitaine c'est pas Superman, hein. Capitaine, hein. C'est pas Rabé, hein, le capitaine, c'est pas le God. Pour l'instant c'est toi le chauffeur, Carlito, c'est toi le chauffeur. Voilà. Pour l'instant, c'est toi le soumis au capitaine. Ouais, une moto là. T'as vu, elle est bien. Il faut vraiment que t'apprennes mon nom parce que ça pourrait avoir des problèmes aujourd'hui. Ah ouais. Karim, ça va quoi? Bon, c'est pareil. Quoi? Ça va ou quoi? Ça va, voilà. Frère, t'as remarqué, à chacune de nos journées, on est obligé de faire un tour au Comico. T'as remarqué ou pas? Bah, c'est normal, bien, c'est la base. Vous nous aimez bien, c'est pour ça. On les autographes, tout ça. Ouais, mais je sais pas. Sais, ça me rappelle comme un peu la Paris Games Week à l'ancienne. Ouais, c'est un peu la même chose, tu vois. C'est genre, on a une petite Paris Games Week, il faut y aller. Bah oui. Qui est moi? Bah oui, j'ai été jeune. Moi, j'y vais en fait à la Paris Games Week, c'est juste pour. J'y étais, hein. Je sais pas, Ellie, tu connais. C'est un petit youtubeur, il débute, il a pas trop de cheveux, mais pas mal d'abonnés. Il s'appelle AR. Je l'aime bien. Ouais, j'ai entendu parler quand j'habitais en France. Bon, il est moche, on est d'accord. Ah mais bon il est gentil. Mais c'est un mec de Montpellier. De ce que j'ai vu, il était pas moche, hein, de ce que j'ai vu. Non, pas de trait de Montpellier. Pas de Montpellier, là. Si, il est de Montpellier, Yara. Non, je crois pas, non. Si, il est. Bah, bref. Ouais, je sais pas, je crois qu'il était dans le sud, non. Eux, il est vers les gens qui disent des hang, des wang, des hang, tu vois, tous les gens qui parlent bizarrement, là. Oui, c'est vrai. C'est la secte des hangs. Il travaille beaucoup, hein. Bon, il faisait beaucoup de. Il faisait beaucoup de live. Comme il travaille comme un chinois. Sauf que lui, il est roux et il est chauve. C'est pas quand même pareil. Ils arrivent enfin à monter attention. Dans la voiture. Alhamdoulilah. Enfin. Ah. Je sais pas. Non, mon vieux. Tu connais pas? Ok, non, parce que c'est vrai que. Parce que t'as un accent du sud en fait. C'est pour j'ai ça entendu que... parler. Ouais, je suis du sud. Bon. Mais j'ai entendu parler de lui, mais je regardais pas forcément. Bah, t'inquiète, on te mettra sur les bails. T'inquiète, c'est un bon gars. Ok. Carlito. Ouais, dis-moi. Si tu cherches des meufs bien poilues, j'en connais, hein. Ah, je veux pas des poils, mais je veux bien en portugais, tu vois. Marie, bah... tout ça, ça m'intéresse, ouais. Bah, tu sais, l'un ne va pas sans l'autre, apparemment. Est-ce que c'est un cliché ou pas? Est-ce que les portugais sont vraiment poilus? Oui, c'est un cliché. Non. T'es sûr? Mais non, il y a des poilus. Mais il n'y a pas que des poilus dans nos vies. Ouais, faudrait que je vérifie en vérité, hein. Ah, t'as jamais vérifié en portugais? Non, j'ai jamais tamponné une portugaise. Moi, j'ai une question. Pompier, hein. Carlito? Oui. T'as une sœur?
T'as une sœur? Le bâtard. Ouais, oui. Elle est mariée? Ouais, Karim, calme-toi. Karim. Non, mais je demande. Elle est mineure, elle est mineure, elle est mineure. Elle a quel âge? Elle est mineure. 29 ans. Wouh! Ah, y'a moyen d'en tamponner ou? Ouais, je t'en prie quand même, mais c'est ma sœur. Non, ça va, je rigole, arrête. Des bah fois, oui. Des fois, je suis une petite caraille, je suis désolé. Hein. Ça, c'est pas bien de dire ça. Elie, t'aurais pas des origines portugaises, toi? Attends, quand même. C'est vrai, Elie, elle est poilue, hein? Non, c'est pas par rapport à ça. Tout, ouais. Non, mais je voulais savoir parce que moi, j'ai jamais fait avec une portugaise, mais... c'est pour ça. Il en sait rien, Hawk, Cardito, ouais. Bah, moi, il m'a pas dit ça. Si, Hawk. Eh, Elie, entre nous. Apparemment, Hawk, ça se passe comment? Hawk, il l'a tamponné, apparemment. Ah, ouais. Quoi? C'est pas. C'est la rumeur dans la ville, hein. La rumeur dans la ville, c'est Hawk qui t'a tamponné fort. Pas du tout. Il s'apprécie fort, quoi. Ah. Là, on va où, là? Désolé de vous décevoir. On va au commissariat. T'es où? Oh putain, c'est chiant. Ouais, c'est le comico. Attends. Ah, c'est le comico du désert, ça. Il est équipé. Ça, c'est un comico vraiment tout fatigué. Mais non, mais John Kennedy, venez ici, frère. Il a fermé depuis. Oh putain. Allez, petit monsieur, on descend, petit rustique. Ouais, je comico de Drbrelef. Putain. Draka Kidiera. C'est un truc de ouf. YouTube, là, monsieur. Wow, t'es moi, ils ont un écran 4D et tout. Ah la vache, t'es moi. Ils ont un écran 4D, sa mère. 4D. Alors, on va essayer de faire rapidement. Monsieur ouais, Aprio et monsieur Boulboul, vous étiez dans la montagne pour vous promener. Vous aviez exactement des motocross, vous étiez 4 avec Vladivostok et le 4ème, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Et en fait, ils vous ont passé des motocross, et les motocross, vous saviez pas d'où elles sortaient, vous les avez prises, vous n'avez pas posé de questions. Non, non, mais écoutez, non, c'est encore beaucoup plus simple que ça en fait. Psst, on s'est fait braquer. On se fait braquer en fait en même temps que bah que Surdouf etc. Et en fait les malfaiteurs ils nous ont passé des motos, ils nous disent bah échappez-vous avec et puis qu'on vous revoit plus ici quoi. Et donc nous on est reparti avec les motos et puis voilà quoi. Ça l'histoire. Oh, ils sont sympas les ravisseurs, ils sont sympas. Bah, ils vous ont pas fait de pipe aussi en vous montant les. Wow, capitaine. Vous me capitaine, choquez. Arrêtons toute cette mascarade. C'est la première version que vous avez dit, c'était ça. Ah non. Et voilà. Non, mais pourquoi est-ce que votre frère dit autre chose alors? Parce qu'il est con, il est instable, vous le savez. Vous avez vu son attends, dossier médical, vous l'avez vu ou pas? Il est instable, il est un peu bête. Il est bon, mais il est con. Ok, d'accord. Bon, les deux là, vous sortez. Ah, et Nicolas, parce que Nicolas aussi ouais, était avec nous quand même. Nicolas, il reste avec moi. Nicolas, il reste avec moi. Ah, surtout. D'accord. C'est bon, on se casse. Okay. Merci beaucoup. Voilà le Portugal là. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as déjà été faire une matinée de vol là-bas? J'étais à Albufeira. Albufeira, si, je connais un petit peu. J'ai déjà été. Ça tue. C'est les Portugaises, elles sont douces. Les Portugais, ils sont doux. Tout le monde est doux là-bas. Est-ce qu'ils sont poilus? Ah, non. Les Portugais, oui, mais les doux, non, les autres, non. Comment tu sais? Après, peut-être les maris de 50 ans. Comment tu sais? Non, les maris de 50 ans. Par contre, ils ont des gros bides et des moustaches. Ah ouais, c'est comme un peu rebeux, mais sauf que eux ils sont européens quoi. Ils mangent beaucoup de pastel de nata et beaucoup d'altrilles, je sais pas si tu connais tout ça. Ils mangent beaucoup de pastel de nata, bacalhau de nata, batata frite, bacalhau com nata, isso tudo. Bah oui, isso tudo. Bah oui, tu peux m'apprendre. Et toi tu viens d'où mon petit pote? Ah moi je viens de l'Algérie de base. Ah ouais, j'ai jamais été là-bas. Ah ouais, mais c'est bien. Je sais pas le bordel là-bas. Non, c'est pas. Oh, t'es malade ou quoi? T'as cru que c'était l'Irak, l'Afghanistan? Mais t'es fou ou quoi? Non, je vous demande ça, ouais, c'est bien. Oui, je sais bien. Bon, écoute. C'est bien, mais pas plus de 15 jours en vacances. Pas plus de 15 jours en vacances. Pas plus, y a une date pourquoi limite. Pas plus? Bah, parce que après, tu vois tous les mauvais côtés, quoi. Ah, ça, c'est pas bon ça. Et toi, le Portugal, c'est bien le Portugal? Ah, c'est très très bon. Le meilleur, c'est le sud. C'est beaucoup touristique, mais si tu veux voilà, prendre ton pied avec 2-3 gagelles et 2-3 petits potes, tu vas dans le sud. Sinon, t'as le nord, mais c'est beaucoup de montagnes, et au milieu, Lisboa, touristique, une belle ville, c'est beau, c'est joli. Ouais, dis-moi, petite loupette là. Ah, je discute avec lui, là, le petit monsieur là. Surdou, oh, c'est quoi le capitaine là? Ouais, je sais pas. Eh, hey, John, y'a moi qui te parle ou pas? Nous, Surdou. John, y'a moi qui te parle, s'il te plaît. Vas-y, attends. Attends, Karim, viens voir. Viens voir. Ah, Karabi, frère, j'ai rien à voir là-dedans. Smash. Je te crois. Ok. Mais il se passait quoi en fait? Mais frère, en fait, bon, pendant que j'étais en train de dire de venir, il y a Smith, il y a l'autre là, Nicolas, il m'a dit ouais, il y a une moto qui se rapproche de vous. Je dis bah tranquille, c'est peut-être vous, tu vois. Du coup, j'ai dit à Karim en fait de partir, tu sais, voir un petit peu où est-ce que étaient les autres, où est-ce qu'était Nicolas, tu vois. J'appelle Nicolas, je dis frère, t'es où? Il me dit t'inquiète, je fais le gay et tout, je te tiens au courant. On arrive, je vois que t'es en train de te faire braquer. Moi, je pensais que c'était Nicolas qui était en train de vous braquer, tu vois. Donc j'arrive en mode, hey, ça va ou quoi, les mecs? Bah, en fait, pas du tout. En gros, c'était d'autres braqueurs qui étaient apparemment là, mais frère, c'est trop bizarre. Coïncidence de ouf, c'est trop bizarre, frère. Caméra chez Allah, tout ça, c'est trop bizarre, voilà. Comme par hasard, tu sais. C'est n'importe quoi.
Et en gros, les mecs, ils nous ont dit, ceux qui nous ont braqué, que eux, ils étaient déjà là avant moi, avant nous, alors que frère, il y avait personne quand je suis arrivé, tu vois, c'est très la merde, tu vois. Et, ouais, et voilà quoi. Ouais. Et genre, ils voulaient faire du thé à la menthe. Et... Mais sinon, après, sinon, je suis bekeh, tout ça, au calme. Moi, je préfère celui de l'eau, tu vois. Celui de l'eau, Floftal, c'est mieux. Mais je suis bekeh, c'est bien aussi. Ouais, pas très fan. Pas très fan de celui pour le coup. Ah, celui de l'eau, c'est la base, frère. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Avec l'eau, au calme. Ouais. Vous, capitaine, vous êtes plutôt Shebekia ou bien celui de l'eau, capitaine? Je comprends pas quand vous parlez, monsieur. Ah, c'est dommage. Parce que le diabète, de toute façon, le diabète n'a pas de langue, hein. Bah, non. Surtout, vous venez s'il vous plaît. Il est où Karim? Karim, il est là-haut, là, dans le temps, là, en face. Il parle à Nicolas. Avec le... Putain, chacun fait ses messes basses, là. T'as vu? C'est nimp. Eh, ça fait combien de temps que t'as quitté le Portugal? Oh, ça fait un petit moment. Pourtant, ah, quitté le Portugal. Ouais, ça fait... 7-8 ans, ouais. Ah ouais? On se tire? Je sais pas. On peut se casser là ou pas? On fait quoi? C'est quoi les bails là? Au lieu de voler des véhicules, les mecs, moi je vous propose de vous déposer, hein. Bah ouais. Ah. Ouais, bah attends, on attend de voir le capitaine. Faut... Ouais, voilà, on va voir le capitaine parce que le capitaine va encore cacher des têtes après. Le capitaine, tu l'aimes bien, Carlito ou pas? Il est jamais là donc je peux pas te donner mon avis. Mais non, mais. Ah, en plus, il travaille jamais. Ah, oui, il travaille jamais. Ouais. Mais il est con lui. Non, après, je suis l'air d'être un mec pas cache-couille, toi. Un peu, hein. Il cache les couilles. Bah ouais, grave. Il casse un peu les couilles. Moi, tu pourrais demander à qui tu veux, je cache pas les pieds. Non, toi, t'es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Toi, tu casses que les murs, frère. On connaît. Ah, je les construis avant de les cacher, tu vois. Ah non, tu détruis, après tu les reconstruis. Comme ça, tu fais de l'argent. T'es malin, toi. Ouais, ça peut t'intéresser. Ça, tu vois, j'y ai pas pensé. Petite fissure, tu fracasses le mur et tu le reconstruis. Oh. Ça te fait de l'argent. Voilà. Ah, il quitte dans le mur. Et voilà. Putain, quel con. Nicolas, c'est quoi que tu viens prendre ton service là? J'ai démissionné, tu veux faire quoi? T'as démissionné? Ah bah, je savais pas, excuse-moi mon petit pote. Ah bah je pensais que ça s'était entendu. J'étais en week-end très très prolongé, tu vois. Écoute, t'es gagé là. Je comprends. Je peux savoir ce qu'on fait là? On se la touche ou on part travailler là? Oh! Bah allez travailler, hein, nous on va y aller. Hein. Bah on peut partir ou pas? Vous avez le droit de partir là vous? Bah je sais pas, j'attends le capitaine. Ah, partez pas comme ça là. Va demander au capitaine et demande si on peut les déposer. Ah mais on est trop. Putain. Vous prenez un véhicule et vous redescendez dans le centre-ville. 10-4. On reste au contact rapide. 10-4. Capitaine, on vous dit la prochaine? Ouais, la prochaine. À la prochaine, John. 10-4. Je décroche. A plus, Nick. Bah voilà. Tout est bien qui finit bien. Bon, ça arrache ou quoi là? Et nous, vous nous déposez? À la métallurgie? Va, déposez-nous à la métallurgie, s'il vous plaît. On va travailler. Bon, bah. Non, je vous dépose. What the fuck? Pardon. On peut en déposer que deux si on en dépose. Bah vas-y, c'est bon, moi et Karim. Moi et Karim aussi. Oui. Karim, s'il te plaît, arrête d'escalader la voiture. Karim, tu fais quoi là? Il y a ma cassie ou quoi? Tu fais comme ça. Ah non, merde, attends, comme ça. Mais Karim, attends, ah, non, mais tu fais pas. Ouais, je sais, attends. Mais on fait ce qu'on veut. Là, comme ça. Ah ouais. Wouh. Cassé to me, minimoto. On y va? Ouais. Voilà. On y va? Alors, derrière, Karim, s'il te plaît. Eh, attendez, le capitaine, il s'il nous voit vous déposer, je vais me faire niquer. Mais non, John, vous mais là, non, mais il a donné l'ordre. Capitaine, il veut bien, capitaine. Non, il m'a dit que non. Dégagez, je vous prends après. Dès qu'il me voit plus. Oui, marchez un peu, on vous prend. Dès ah, ok. Descends. Non, mais j'ai envie de rester, en vérité. Non, mais il va de l'autre côté, il va de l'autre côté. Il voit pas. Dis-lui à ton pote, là, si t'as son numéro de téléphone. Attends. T'es moi. Il est sorti de la voiture. Non, mais c'est bon. Vas-y, c'est bon, il repart derrière le bâtiment. C'est lui qui vient. Karim, viens. Vite. Go. Attention, il y a une bite devant, il y a une bite. Non, mais tranquille. Bien vu. Allez, on y va. Et sinon, je me demandais, vous comptez partir en voyage bientôt là ou pas? Ah, genre vers la ville des anges? Ouais. Bah, je sais pas du tout. Pourquoi? Je pense que c'est mort pour moi. Ah, pour savoir. Sérieux? Karim, tu vas pas. C'est quoi la ville des anges? Je pense mon pote Nabil aussi, c'est mort pour lui. C'est qui Nabil? Sérieux? Ah, c'est un pote à moi. Ah, ok. Ah ouais, chaud. Sérieusement? Eh, si vous payez le voyage, moi je viens aussi, hein. Chez moi, attends, ferme-la un petit peu, là. Ferme-la un petit peu, quoi. Oh, si on peut plus rigoler, là. Oh, ça va, je rigole. Je laisse déconner entre nous, les potes. Ah, c'est cher. D'accord, ok. Putain, c'est chaud, c'est dommage.
Ouais, c'est très dommage. Je sais pas si le. Mais t'y vas. Si le Blader, mais t'y vas avec qui toi? T'y vas avec qui toi, Ellie? Moi j'y vais avec un mec, je sais pas si tu connais, il s'appelle Ilias. Vaguement. Il est en ville là? Et ouais. D'accord, non, je vois pas qui c'est. Mais qui d'autre? Et avec un mec qui s'appelle. Ah, allez, je vous l'avoue, avec un mec qui s'appelle Eyar, je le connais. Mais ah, wesh, tu m'as dit que tu le connaissais pas, tu t'as Tu connaissais? Tu m'as dit que tu le connaissais pas, wesh! Elle nous a troll, elle nous a prank! Mais t'es sérieux? Elle nous a prank! Ah ouais, ça fait combien de temps que vous connaissez? Attends, vous connaissez bien ou bien genre bien? Non, je suis pote, c'est pour le travail, on part pour le travail. Ok, d'accord. Voilà. Je l'ai joué, les mecs! Capitaine! Regarde dans le rétroviseur! Voilà, j'ai une arme au calme! Et non, tu peux me faire quelque chose? C'est pas bien mais de faire non, ça. Non, pas du tout. Mais non, mais je la pointais pas vers toi, t'inquiète, elle est pas chargée. Hein. Moi, tu fais ce que tu veux. Je t'ai dit, tant que je t'attrape pas, tu fais ce que tu veux. Bon, je veux des Peugeot. La métallurgie, s'il te plaît. Vers le coup. Quoi? Tu as fait quoi la métallurgie? Bah, frère, il y a des battles de rap, après il y a des events là-bas, tranquille, on va s'amuser. Métallurgie, d'accord. Okay. Faut décompresser un peu, faut décompresser un peu, croyant là. On était sous stress toute la journée, frère. On s'est fait braquer, on s'est fait humilier. J'ai même pas tamponné aujourd'hui. Attends, je vais appeler Anastasia. T'as pas vu ta meuf là? Bah. Ah, attends, faut que j'appelle Lise. Chocolova? Ouais, tu la connais? Bah oui, je le connais, cette mougeche là. Voilà, il l'a tamponné. C'est ma meuf, hein, fais gaffe. Non. Ma meuf. Ah, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est Lise, ma meuf. C'est qui? Lise. Attends, arrête-toi. Non, je rigole. Ouais, tu m'as fait peur. Ouais, tu m'as fait peur, frère. Tu m'as fait peur. Pourquoi t'as combien de gonzesses toi? Frère, je suis polygame, croyant. Jusqu'à 4, c'est autorisé. What une pour le ménage, une pour le manger. C'est où les mecs là? Non, une pour tamponner, deux pour tamponner, trois pour tamponner, quatre pour tamponner. Ouais, t'as bien raison, c'est bien. Ouais. J'espère que tu prends ton pied. Hein. Bah, elle prend autre chose, elle. Elle prend autre chose, elle. Pas que les pieds. Ouais. Bon, là, c'est bien. Alors, c'est okay. Ça m'a fait plaisir en tout cas, ça m'a fait plaisir. Eh bah, moi aussi. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, hein. Allez. Bon courage. Ciao les potes, ciao. Ciao. Eh mais c'est Mia ça. Mia. C'est bon quoi, Mia? Mia, écoute. Quoi, c'est quoi. Bon, j'ai parlé à mon frère. J'ai essayé de t'appeler, hein. J'ai parlé à mon frère. Hein. Et c'est bon, il va retirer la plainte, donc tu peux me faire un bisou. J'ai essayé de t'appeler, hein. Tu sais, te comprends pas comme ça, Mia. Pas devant moi. Sinon, je vais te tamponner au calme. Attends, j'appelle Lise. Eh oui, bonjour. Ouais, ça va ou quoi? Ah oui, toi. Bon, c'est bon, y'a quelqu'un d'autre là ou pas? Bah non. Ouais, je te fous de ma gueule, je t'ai vu dans l'hélicoptère tout à l'heure là. Oui, mais il est plus en service depuis le temps. Ouais. Et je suis toute seule là. Mais au pire, tu me reposes d'autres questions? Non, je peux pas. Faut que ce soit une autre personne. Ok, donc s'il y a personne d'autre, je fais comment moi? Bah tu attends, tu patientes. Et normalement, il y a le deuxième médecin, il devrait reprendre son service dans la soirée. Mais ah, je te dis quand il est disponible. Non, toi tu me zappes. Même pas tu m'envoies des petits messages, en plus tu me manques ou je sais pas quoi. Tu me zappes de ouf. Comment ça je te zappe Tu me zappes de ouf? Hier je t'ai envoyé des messages gentils et tout. Et hier tu m'as dit quoi? Tu m'as dit ouais, mais comment veux-tu que tu me manques si tu m'envoies pas de messages? Hier je t'envoie des messages, tu me réponds même pas. Je te comprends pas. Je me comprends pas, mais je crois que t'as loupé un épisode de Je suis marié maintenant, dis que tu sais. Attends, j'ai la tête qui tourne. Attends, deux minutes, attends, excuse-moi. T'es marié? Attends, t'es marié avec qui toi? Avec Peter. Mais t'es une menteuse, hier tu m'as dit que t'étais célibataire. Ouais, bah on s'est marié hier soir. Ah donc toi en 2 heures tu te maries quoi? Bah c'est... oui. Ok, me rappelle plus. À partir d'aujourd'hui, t'existes plus pour moi. Putain. Karim. Là on est à la métallurgie. Quoi? Lise, elle s'est mariée hier. Chang il avait raison. Attends, Chang, viens à la métallurgie. Il y a ta femme. À tout de suite, il y a ta femme. Lise, elle s'est mariée hier, frère. Bon, je t'avais dit, frère. Lise, elle s'est mariée hier, Roya. Elle s'est mariée avec Peter. C'est moi, ils s'en bat les couilles. Ouais, j'ai... Moi, tout le monde s'en bat les couilles de ma vie. Parle pas avec moi, frère. Yo. Voilà, quoi? Parle pas avec moi, frère. Yo. Lise, Roya. Elle s'est mariée hier. Arrête de bouger, reste avec moi. Elle s'est mariée avec Peter. Et hier, elle m'a dit qu'elle est célibataire. 2 heures après, elle s'est mariée avec Peter. T'avais dit que c'était une pute. Je t'avais dit que c'était une pute. Mais pourquoi elle m'a fait foutre? Pourquoi elle m'a fait foutre? Allô? Ouais, monsieur l'avocat, ça va? Vous allez bien? Ah, donc moi je pleure, tu t'en bats les couilles quoi. Ah, ça m'a fait peur. Depuis, 2 secondes, ça m'a fait peur.
saloperie d'avocat va. Ça va toi? What the fuck? C'est vous, c'est vous, oui, c'est vrai. Ça va toi? C'est Nicolas, non? Ah non, ouais, c'est vous. Ça va? Les gars, ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau là alors? Je sais pas, il parle avec. T'as visité des putes ou pas? T'as été des. Excuse-moi, je rigole avec l'avocat. L'avocat, je rigole avec toi, monsieur Dominguez. Ah, avec l'avocat, ok. Eh les gars, vous avez raison, Alice, la pute, elle s'est mariée. Ah, pardon, hein. pardon, excusez-moi. Bah écoute, j'en sais rien, puis je m'en branle. Bah, déjà que moi et ma pute, c'est fini. Ah ouais? Bah oui! C'est qui? Et ça, sans vous! Bah, sans votre aide! Elle vient de m'envoyer, hein. Oublie-moi et laisse-moi tranquille. Donc je pense que c'est fini là. Ah, Mia? Ouais. Ah, pourquoi? Tu lui as fait quoi? Bah, Zertek, j'en sais rien quoi. C'est rien. Et les flics, pourquoi ils t'ont parlé longtemps tout seul au Comico? Vous vous êtes dit quoi? Mais ils voulaient savoir c'était quoi en fait la vraie histoire. Et puis tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris mes armes et ils m'ont laissé partir. Ah donc t'as plus d'armes? Non, j'ai plus d'armes. What the fuck? Je suis désolé. Bah, faut que j'aille m'en racheter une. Non, mais c'est pas grave, frère. Mais je sais pas comment ils nous ont trouvés en fait. Frère, c'est là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a Poucave. Bah, encore heureux. Nous, on s'est fait braquer avec les flics. Et après, bah, ils nous ont relâché les braqueurs. Mais s'il y a quelqu'un qui nous a poucave, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a poucave quand on a fait de la drogue, et il y a peut-être quelqu'un qui a poucave mon plan. Hein. Bah c'est ça le truc, c'est exactement ça le truc. C'était pas toi l'ancien flic. Mais pourquoi j'irais poucave? Attends, pourquoi j'irais poucave avec mes anciens collègues? T'as bien vu que déjà ils me respectaient plus. C'est vous qui faisiez les gays, moi je suis en train de récolter avec Karim, ça n'a aucun sens que je fasse de la weed et puis que je me poucave moi-même. S'il me chope, j'ai de la weed sur moi, je suis baisé, tu vois. Donc ça n'a aucun sens, tu vois. Déjà, c'est ni moi ni Karim, tu vois. Après, les nouvelles têtes... Ça peut pas être moi. Moi je t'ai appelé quand tu as eu la moto. Ouais, je sais. Bah, les nouvelles têtes... La personne qui a pas appelé, c'est Chang. Bah ouais, Chang, il m'a sorti une histoire bizarre tout à l'heure, genre... bah ouais, je sais pas, Anastasia, elle faisait le gay avec moi, blablabla, j'ai pas trop compris, le coup de la panne. Il m'a sorti un coup de la panne, t'as rien quoi. Ouais. Parle avec qui là, Karim déjà? Avec l'avocat. Après, franchement, si vous avez des trucs sur moi, c'est pas moi du tout. Si tu veux, je peux te montrer quelque chose. Tu veux que je te passe quelque chose là? Tu veux montrer quoi? Tu veux que je te passe quelque chose? C'est-à-dire? Bah, je te donne ou pas? Bah, vas-y. Il va lui donner 24 000. Ah ok, d'accord. Mais j'en fais quoi? Ça, tu gardes pour toi. Mais j'en fais quoi avec ça après? Si tu veux, on va traiter, on fait tout ce qu'il faut. Bah vas-y, on fait ça. Hein. Vas-y. Attends, j'attends de voir avec Karim et puis on va faire ça. Je sais même où les blanchiments ils sont. Ah lourd. Ah ouais, je vais me faire de l'oseille d'ouf. L'argent et tout. Ah ça je le savais pas ça par exemple. Mais il y a un truc en fait, c'est pour 3 heures, il te prend 50% de ta part. Ouais, ça je sais. Pour ouais. 30 minutes, il te prend 75 je crois ou 60. Ah ouais, comme ça, c'est des ouais, ouais, plus tu restes et moins il te prend en gros quoi. Ouais voilà. Ok. Attends, je vais dire à Karim de se dépêcher, il casse les couilles. Karim, ah, Karim oh, Karim. Là où je pense, dans la victime. Dépêche-toi. Vous comprenez ou pas, monsieur l'avocat? J'ai un bail, Karim, dépêche-toi. Ouais, je lui dis de se dépêcher. Nicolas, tu restes encore un petit peu en ville là ou qu'est-ce que tu fais? Mais moi, frère, là je suis bien. Hein. Là, je vais rester encore un petit moment. Vas-y, tranquille, ok. Bien, hein. Ok. Non, mais tu cherches une nouvelle meuf ou là, pas? Tu vois. Bah, frère, non, je m'en. Là, écoute, déjà, ça se passait mal de Saints Day One, fait que. Non, si tu veux, il y a une petite Québécoise. Alors, Chris, non. Fuck les hosties québécoises. Non, genre, fuck non. Ah ouais, je m'en tape déjà. Comment s'appelle la Québécoise? Non, merci. Oh, elle s'appelle Jackie. Oui. Oh, c'est un peu un. Attends, t'as son numéro ou pas? T'as son numéro, Jackie? Ouais. Vas-y, donne, je vais l'appeler. Mais t'as pas déjà une meuf, toi? Vas-y. Mais attends, t'as pas déjà une meuf? Mais frère, Liz, c'est une pute, frère. Elle s'est mariée hier, c'est sérieux. Pas les couilles. Non, mais je parle pas de Liz, je parle d'Anastasia. Mais tranquille, t'inquiète. Vas-y, donne, s'il te plaît. C'est une queen. Ouais, c'est une queen. C'est quoi son numéro? Ouais. 213. Ouais. Elle est en ville là? Voilà. Ah, je sais pas, je pense. T'as l'air, elle m'avait envoyé un message. Vas-y, je vais l'appeler pour voir. Ah ouais, ça sonne. Lourd. Attendez, j'arrive. Mais c'est quoi les bails là? Oui, bonjour. Oui, ça va, tu vas bien? Et qui? Bon, on se connaît pas encore, mais on s'apprécie déjà, je pense. On m'a dit que tu t'appelais Jackie, c'est ça ou pas? Est-ce qu'on m'aurait menti? Vrai? Pardon? Je comprends pas là. Non, je m'appelle Jackie, mais vous êtes qui? Moi, je suis Dick, DiCaprio. Je suis un ami. Ouais. Bah écoute, enregistre mon numéro, et puis comme ça, on se captera. T'inquiète, je suis pas méchant. Attendez, je veux prendre un papier. Ok, mais au pire, tu sais quoi, je t'envoie un message au pire, hein. Comme ça, tu l'enregistres. Bah, oui, exact, envoie-moi un message, puis je vais prendre. Ok. Et tu fais quoi en ce moment, là? On est au bateau, envoie-moi un message, je vais te dire où on est. Vas-y, ça marche, bisous. Eh, elle est pas farouche, hein. Elle est pas farouche, la petite Québécoise. Elle m'a dit, elle est au bateau. Il y a un event sur un bateau. Tu l'as savais? Attends, elle va me donner sa position, si vous voulez qu'on aille faire un tour. Un bateau, frère. Fais gaffe, t'as de la weed sur toi. Ah ouais, c'est vrai, merde. Bah c'est pas grave, au moins elle note mon numéro. C'est quoi les bails, là?
Frère, il m'a passé du thé à la menthe, on va aller traiter et puis prendre l'oseille, si tu vois ce que je veux dire. Attends. Mais... Quoi? Là, il n'y a que toi qui en a. Ouais, mais... Et moi? Ben frère, on fait moitié-moitié. C'est bon, vas-y. Tranquille. Ouais, on peut aller rechercher si tu veux. C'est mieux. Ben frère, tout à l'heure, on est parti chercher... Tu te rappelles, ça, on n'a pas trouvé. Bah apparemment, ici, maintenant. Ah ouais? Bah, attends, c'est quelle heure? Ici, là. Bah tu as ici. C'est 14h, ça se trouve, ça a changé, mais si vous voulez, on peut aller revoir. Comme vous voulez. Moi, je suis chaud de night. Ok, allez, on monte. Ouais, Vas-y, attends, je cherche une voiture. Vas-y, ok, on t'attend là. Oh, en fait, ils sont tous en bateau, les Québécois, là. La Québécoise, la Jackie. Ouais. Ouais, c'est pété, ouais. Du coup, c'est quoi les bails, là? Bah là, on prend une voiture 4 places et on va les chercher. Vas-y, ça marche. En vrai, l'autre, il est chelou, Québec. Nicolai? Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais. Bah là, il est à 24 sur son bigo. Sur son quoi? Il est à 24 sur son bigo. Ah ouais. Ils sont où là? Toujours la métallurgie. Et, truc de la métallurgie, ouais. Attends, c'est où là? What? Tu feras gaffe. C'est ton ex là. Attends, 2 minutes. Tu peux ferme. Attends, 2 minutes. J'ai un truc à faire, vite fait. Quoi? Tu vas faire quoi? Il va aller voir la meuf. Putain. Allez. Non, il va aller crever les pneus de la moto. Amiens. Pourquoi il va faire ça? Je sais pas moi. Il va aller péter les pneus. Mais on fait quoi là? On va directement récolter ou on va me chercher une arme ou on va me chercher à comment récolter parce que... Ouais bah récolter ça partirait de 20h frère. Et Nicolas, et du coup les flics ils t'ont juste pris tes armes c'est ça? Oui ils m'ont juste pris les armes c'est tout quoi. Ok. Et mais par rapport à l'histoire du braquage, genre ils s'en battent les couilles, ils ont pas porté plainte contre les... Enfin... Comment ça se passe en fait? Genre ils s'en foutent ils... J'étais pas là lorsque vous êtes fait braquer. Moi j'étais en train de surveiller. Mais frère, tu m'as dit que tu nous regardais depuis là-haut. Depuis là-haut? Bah depuis en haut de la montagne avec Roméo, tu m'as dit c'est comme ça que tu nous as retrouvés à la plage. Non, Roméo, en fait, ce qui s'est passé c'est qu'ils vous ont pris avec la voiture verte. On a vu la voiture verte partir. On a suivi la voiture. Et moi je vous ai perdu de vue mais Roméo vous a vu. Et il m'a dit que vous étiez à peu près dans cet endroit. Mais genre moi, tu nous as pas vu se faire braquer quoi? Non. Moi j'ai juste vu une voiture de police arriver, je suis parti. Ah ouais. Même pas tu m'as appelé quoi? Bah si, j'ai essayé de t'appeler mais tu répondais pas. Ah bah j'étais déjà en train de faire braquer en fait. Ah bah voilà. En fait tu m'as appelé, au moment où j'ai décroché, t'as raccroché. Bah ouais peut-être parce que j'ai vu la voiture du flic tu vois. Je me suis demandé mais qu'est-ce qu'il fait? Je t'ai rappelé 4 fois, t'as pas répondu, je me suis dit merde. Ouais ils m'ont pris mon téléphone. Ah ok. Du coup pour l'histoire de Sourdouf là c'est un peu compliqué là du coup là, si t'as pas d'armes. Bah pour le moment faut déjà que j'organise un plan hein. Bah ouais. Mais pourquoi ils t'ont viré au fait de chez les flics? Ils m'ont pas viré, j'ai démissionné. Pourquoi? T'as subi des pressions? Non, même pas, mais déjà l'histoire du PPA avec Karim, ça m'a fait casser les couilles déjà de 1. Ouais. Et de 2, on se faisait bombarder sur Twitter depuis 3 jours à cause de flics incompétents, donc ça retombait sur moi bizarrement. Mmh. Alors qu'il y a 4-5 personnes, 4-5 civils qui sont venus et qui m'ont dit pourquoi t'es plus en service, les gars, des meilleurs flics, etc. Donc du coup, excusez-moi. J'ai fait, ok, bye. Ouais, Karim. Ouais. Excusez-moi, il y a un hélico là derrière nous, c'est normal? Oui, c'est normal. Ah, c'est bon. C'est un moldu qui s'amuse. D'accord. Les hélicos de police, ils sont faciles à repérer. Ok, d'accord. Tu manges quoi, toi? Ah là, je suis en train de manger un bon poulet avec des courgettes. Ah, le bâtard. Il est quelle heure dans ta tête? Dans ma tête, il est 19h. Ah ouais. Ta vie, hein. Ça fait pas ramadan, surtout. Ah bah écoute, gauche, moi, je t'avouerai. Là, je descends là, ou... Je serais pas capable. Ouais, mais fais gaffe. Sérieux, les gars, force à vous. Si vous faites le ramadan, force à vous. T'es pas capable. Ah ouais, frère, on est là. Bon, bah, c'est pas ici. Ok. Mais d'ailleurs, maintenant que j'ai quitté la police, là, vos relations avec Hawk, elles sont comment, les gars? Bah Hawk, on l'a pas vu aujourd'hui. Je crois qu'il est pas en ville hein. Mais sinon... Sinon Hawk... En général. Il m'a jamais fait chier en vérité hein. C'est un bon gars. Ok, parce que les autres flics ils te faisaient chier genre. Bah frère, à ton avis. Ouais bah j'avoue que la cadette aux cheveux gris... Bah elle, Sourdouf, il me cassait les... le capitaine n'en parlant même pas. Johnson, Adama, Guy Varch. Frère, tout ça c'est des fils de pute. Tu vois, c'est pour ça que j'ai quitté la LSPD parce que j'avais l'impression que moi et Hawk, on était les seuls qui étaient proches de la population en fait. Bah de ouf. Et les deux, on s'est fait taper sur les doigts à cause de ça, à cause qu'on était trop proches de la population. Dommage, du coup, j'ai fait, ok, bah je m'en vais moi. Et le sage, elle devient quoi? Elle est toujours dans la police? À ce qui paraît, d'après ce qu'on m'a dit, elle serait plus dans la police. Mais pourquoi? Mais en vrai, j'en sais rien. Je sais pas. Chelou ça. Bah frère, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais tu savais que Hawk et Ellie, ils fricotaient ensemble? Oui, ils me l'ont dit hier. C'est chelou quand même. Ellie, elle veut aller plus loin avec Hawk, mais Hawk, il veut pas en ce moment en fait. Ah ouais? Ouais. Ah, il est plutôt frivole, lui. Il aime bien aller butiner à droite à gauche. Bah, il est comme vous, hein. Non, pas vraiment. Nous, c'est pas les fleurs qui nous intéressent, c'est le miel. On va directement à la source. Ah, ok. On est comme des ours, quoi. Comme des ours. Comme on le dit chez nous, comme un ours. Bon. Ah, il y a encore le fourgon de police. Mais, hey, la police, par contre, les gars, je sais pas où elle est.
Donc là-dessus, je peux pas vous dire quoi que ce soit. Mais normalement, les dernières consignes qu'on avait reçues avant que je quitte le LSPD, c'était qu'on n'avait plus le droit d'être sur les points de vente. On n'avait plus le droit de les camper. Ah, ok. Mais du coup, par rapport à l'histoire des motos volées là, tu leur as dit quoi? C'était quoi le fin mot de l'histoire? Genre, j'ai pris le blâme sur moi en fait. J'ai dit que c'était moi qui avais. Qui avait pris les motos et puis c'est tout quoi. Il a rien dit? Non, je sais pas. Il a juste pris mes armes, il a fait. Mais comment? Ce que je comprends pas, c'est comment est-ce qu'ils sont tombés sur nous comme par hasard? On était en moto. Rien. En vrai, j'en sais absolument rien. Ça, c'est un truc de ouf quoi. Ça, c'est énorme. Ça fait deux fois qu'ils tombent sur nous comme ça au calme. Je pense qu'il y avait un hélico au-dessus. Non, on l'aurait entendu. Karim? Le point était même pas chez les nudistes. Donc ça sert à rien. Tu m'as l'air silencieux là. Ah non ouais. J'étais dans ma tête, je pensais à aller à la cuisine me chercher un petit truc à manger vite fait. C'est pour ça. Ah. Et faut pas oublier que toi aussi dans ta tête, faut que tu penses aussi un petit peu, tu sais, chercher un truc à manger, à boire et tout ça. Ouais, t'inquiète, ouais. Les gars, question, juste parce que je connais rien à la religion musulmane. Ouais. Vous avez le droit de manger quand en fait pendant le ramadan? Du coucher du soleil, on va dire à avant le lever. En fait, c'est une sorte. C'est comme si qu'on était un peu des vampires, sauf que on n'est pas des vampires. C'est pas là? Tiens, okay. C'est pas là. Mais c'est jamais là, ouais. Bah, normalement, non. Normalement, je pense pas que ce soit. C'est vrai, la vache, elle est en train de brouter la widow, quand même. J'imagine. C'est voilà, au calme. Mais je pense que vous pouvez pas manger tout n'importe quoi. Moi, si on peut lui mettre un coup. Ouais, je Karim. Ouais, c'est relevé au calme. Wow! On peut ramasser là? Ah bah voilà! Bah vas-y, ramasse, Karim, ramasse!